sur du café. Alors me revoilà après quelques mois d'absence, enfin pas vraiment d'absence, puisque les vlogs que vous avez suivis depuis juillet quasiment étaient un petit peu préenregistrés, donc avec le Tsiget aussi, et Brest qui sera certainement sorti, a priori au moment où ce vlog sortira. Pas mal de petites modifications sur ma façon de travailler, sur le travail en général. Là j'ai attaqué un taf aussi à Paris que je mène en télétravail, dans du développement d'une entreprise de Big Data pour simplifier. HomeKit, le framework utilisé par Apple, pour pouvoir nous permettre de contrôler directement par la voix et sans passer par une application, c'est ça où ça va être plutôt cool, c'est que du coup je pourrais juste faire un Siri allume la maison. Comme quelques vlogs plus tard, je sais pas exactement le numéro, mais Siri, bonne nuit. Siri, bonjour. Bon, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais du coup on a quand même pas mal avancé sur un certain nombre de trucs. Bah, on est en train plus ou moins d'abandonner OpenHAB, ou en tout cas d'essayer Domotix, qui nous présente un certain nombre d'avantages par rapport à OpenHAB. Donc un petit serveur web et une IHM qui permet d'éditer un certain nombre de choses, c'est un petit peu plus user-friendly. Toto a pas mal bossé sur la partie interrupteur avec les ESP qui sont des petites puces Wi-Fi qui nous permettent de créer un petit serveur web, de se connecter à un réseau Wi-Fi et de pouvoir contrôler des interrupteurs, des servomoteurs, des sondes de température. Et donc toutes ces petits modules se connectent à Domotix ou à OpenHAB. Et après, c'est du coup une interface et un petit plugin qui se rajoute sur Domotix qui nous permet de contrôler tout ça directement avec Siri et HomeKit du coup de Apple. Après, il y a pas mal de projets pour faire prendre un petit peu plus d'ampleur à tout ça. En attendant, on va peut-être partir en tournage parce qu'il est l'heure quand même. Et aujourd'hui, reprise de la caméra pour aller faire une petite captation du projet Westnow dans une salle à Volvi. Enfin pouvoir utiliser la 4K sur la 6003 pour pouvoir faire un plan fixe. Parce qu'avec deux fois plus de définition que le 1080p, je vais pouvoir zoomer deux fois sans perdre de def et sans avoir besoin d'un cadreur en plus. On va pouvoir essayer un petit peu ça. On a préparé le matériel et on va pas tarder à y aller. Siri, allume le plafond. Ça y est, le plafond est allumé. Am I so tough enough? Feels like I'm wearing down, 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 down. It's my viciousness. Losing ground, 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 ground. Am I taking too much? La 7R au 70-200 sur le balcon, la 6300 centrale au milieu en 4K, et puis moi au Camépol avec le 5D Mark II, installons tout ça. On va rajouter un petit micro par sûreté. Donc normalement en 4K on pourra zoomer là à 100%, peut-être un peu de plus alors du coup, au 70-200, oh, je suis impeccable. Bon ben moi je vais descendre avec mon gros camépole. Faut vraiment qu'on coupe ce camépole en deux là. On découpe là, on déporte l'épaulière par là. Coup de meuleuse, parce que je me nique le cou à chaque fois. Ce serait vachement mieux. Rangement. Bon bah voilà, rondement mené ma foi. Arrivé à 18h30, bon, petite captation rapide, 4 morceaux, 3 caméras, relativement simple. J'espère que le son sorti de console sera pas trop mal, parce que... Mais on devrait s'en sortir. Et c'était un bon moment, franchement. C'était rigolo. Un peu d'humour, un peu de jeu, c'était bon. Ah, c'est la fête au format, hein. En même temps, le mec, il cherche un A7R, un A6300 et un 5D Mark II. Donc du MOV, de la VCHD et du MP4. Alors, la 4K, qu'est-ce que ça donne-t-il? Ça fait des vrais beaux noirs, pas bruités et tout, quand même, hein. Et du coup,
gros avantage de la 4K, sans perte de qualité, je peux passer de ce cadrage à 50%, et je peux zoomer jusqu'ici sans perte de qualité. Je peux faire comme si j'avais un cadreur, après juste avec des images clés, je peux l'animer. Qu'est-ce que c'est? Alors, quelques jours plus tard, à force de m'être pété le dos, et ça fait quelques années que j'en parlais et qu'il fallait le faire, on va se faire une petite modification du camépaule. On va le couper à peu près à ce niveau-là, pour séparer les polières. Rajouter ce truc qui s'appelle un Z-shape, il n'est pas forcément fastoche à trouver d'ailleurs. Et qu'on va déplacer là pour avoir les polières sur le côté et recentrer un petit peu. Au passage, j'ai racheté aussi un petit follow focus. Et juste vraiment une entrée de gamme, j'ai dû payer 60 balles, donc je m'attends pas à des miracles. Mais bon, ça marchera toujours mieux que celui-là qui commence un petit peu à tourner dans le vide. Et voilà, ça nous fera un camépaule déjà un petit peu plus propre a priori. Trop tard. Ah bah ça pleut vraiment. Ça pleut vraiment.